Laisser Shweta Ketu avec son père, alors que son père lui demandait une question pour le bousculer un peu. Elle lui demandait, mais est-ce que tu as demandé à tes profs, tu as étudié pendant 12 ans, est-ce que tu leur as demandé de t'enseigner à propos de cela? Et quand cela est connu, tout est connu. Alors Shweta Ketu, au départ, a été pris de court, avec son esprit donc brillant et à la fois logique, il n'arrivait pas à comprendre comment est-ce que cela était possible. Mais il s'est ouvert. Il a dit, s'il y a quelque chose de ce genre, moi je respecte mon père, donc je vais lui donner le bénéfice du doute. Et son père, donc, lui dit, et il demande à son père, ô vénérable maître, ô vénérable père, enseignez-moi cette connaissance. Si une telle connaissance existe, donnez-moi cet enseignement. Et c'est là que donc Aruna, son père, commence à, de manière très intéressante, il commence en lui donnant certains exemples. Donc voyons ces trois exemples, on peut les lire ensemble. Donc 6, 1, 4 à 6, 1, 7. Donc mon fils, tout comme par la connaissance d'une seule boîte de terre, tout ce qui est fait d'argile est connu. Toute modification aux formes de l'argile n'est qu'un nom qui se fonde sur le langage, et seule l'argile est réelle. On va voir, le sens de ça. Donne un exemple, qui est par exemple de la relation qu'il y a entre, par exemple, un pot en argile et l'argile. D'accord ? On va voir ça en détail. Le deuxième exemple qu'il donne, l'exemple d'un, imaginez un morceau d'or et des bijoux qui sont faits en or. Tout comme par la connaissance d'un seul morceau d'or, tout ce qui est fait d'or devient connu. Et toute modification en forme de l'or n'est qu'un mot qui se fonde sur le langage. Seul l'or est réel. Troisième exemple. L'exemple d'une paire de ciseaux en fer. Donc, tout comme par la connaissance d'une seule paire de ciseaux, tout ce qui est fait de fer est connu. En fait, toute modification en forme de fer n'est qu'un nom qui se fonde sur le langage. Seul le fer est réel. Et le père de Shweta Ketu lui dit, cher fils, c'est là l'enseignement. Okay.
l'enseignement peut se résumer à ça. C'est intéressant de voir la démarche de l'enseignant, du père de Chotekitou. D'abord, il commence par établir la possibilité qu'une connaissance de ce type soit et quelque chose dont on fait l'expérience dans notre vie quotidienne. Connaître par une chose, connaître cela, suffit à connaître toute chose. Or, ce qui paraissait être une aberration logique, le père de Chotekitou maintenant lui démontre au travers de trois exemples, oui, c'est possible. Alors comment? Alors, tu vois pourquoi j'avais besoin de ma peau. Qu'est-ce que c'est? Vergil. Moi je dis que c'est un peu. Moi je dis que c'est un peu. Qu'est-ce qui a raison? C'est un pot d'argile. Ah, d'accord. Alors, c'est un pot, on peut dire c'est un pot, c'est vrai, mais quand il dit c'est de l'argile aussi, c'est juste aussi ce qu'il dit. Est-ce que tous les deux ont raison de manière égale? Oui. Oui? Non. D'après, ça dépend sur ça, mais c'est un pot. Alors, quels sont les deux points de vue possibles? Alors, il y a deux points de vue, et voyons qu'est-ce qui est plus prégnant, ou plus solide, ou plus fondamental. Suivant le cas, alors pourquoi l'âge? Pourquoi? C'est de l'argile dans un pot, alors que dans un pot, c'est de l'argile. Voilà, donc la relation, c'est quoi? C'est une relation qui est une relation de cause à effet. Plus exactement, on peut même dire la cause matérielle du pot est argile. Ça veut dire que sans l'argile, le pot ne peut pas exister. D'accord ? Si j'enlève l'argile ici, il n'y a pas de pot. L'existence du pot ou la réalité du pot dépend entièrement de quoi ? De l'argile. Donc il y a une relation cause à effet, cause matérielle et effet. Une forme, une modification. Donc là, dans le verset, on utilise le mot vikara en sanskrit, qui veut dire modification de forme. Toute forme de l'argile n'est qu'un nom qui se fonde sur le langage, ça on va voir plus tard. Seule l'argile est réelle. Alors ici, en sanskrit, on utilise deux mots. Le français ne traduit pas ce qu'on veut dire, mais vous l'avez compris. En termes de réalité, l'argile est plus fondamentale que le pot. En termes de réalité. Puisque l'un est la cause et l'autre est l'effet. Donc, à cette relation, qui est une relation, ça s'appelle une relation en termes de réalité, une relation ontologique, pour employer un mot savant, en termes d'être. En termes d'existence, qu'est-ce qui dépend de quoi? Et on va dire que ce qui dépend de quelque chose d'autre pour son existence, donc ici le pot, dépend de l'argile pour son existence, on va qualifier en termes de réalité sa réalité comme étant par un mot sanskrit qu'on va dire mithya. Mithya. Qu'est-ce que vous dites là en français? Hein? Apparence. Alors, apparence, c'est pas faux, mais c'est pas complètement juste parce que ça donne l'idée que c'est une illusion. C'est une chose qui est fabriquée. La forme, c'est pas mal. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre? Qu'est-ce que tu as dit? Relatif? Ouais, c'est bien ça aussi. Donc c'est. Si on dit. Mais il triche un peu parce qu'il a déjà. Il redouble. Hein? Il redouble. Alors pourquoi est-ce qu'on dit relatif? Alors l'envers du relatif, ça serait quoi? L'absolu. Qu'est-ce qui est absolu et qu'est-ce qui est relatif? Ici, dans cet exemple, dans ce cadre-là, du pot et de l'argile. L'argile est absolu. Voilà. Et le relatif, c'est le pot. Voilà. Donc, l'existence du pot est relative, dépend pour son existence de celle de l'argile. Donc, c'est pour ça qu'il utilise le mot relatif.
Donc on pourrait dire, il y a une expression en anglais qu'on utilise en français, ça va être dépendante en termes de réalité. Mitya, si on voulait traduire, on dirait dépendant en termes de réalité. Donc quand je dis le pot est mitya, ça veut dire le pot est dépendant en termes de réalité de quelque chose d'autre. Ici, en l'occurrence, de l'argent. Et satya, ici que j'ai traduit par réel, au sens de plus réel ou d'absolument réel, dans ce cadre-là, et ce qui ne dépend pas d'autre chose pour son existence. Donc, c'est clair, ces deux mots, réalité dépendante et une réalité qui n'est pas dépendante d'autre chose. Satya et mitya. Est-ce que ça va? Bon, voyons. Ouais. Mais si l'homme est tout, il est aussi relatif ou... Liki enfin, nous, l'homme. Ouais, que... on y arrive. Il va vite, d'accord. Mais c'est exactement ça, d'accord. C'est toute l'idée de, ici du père de Shweta Ketu. Il va utiliser un exemple et on va voir de quelle manière, son idée, vous l'avez compris. On établit ici, à travers l'exemple du pot, qu'en connaissant la cause ou la réalité de ce pot qui est l'argile, toute forme ou toute différente modification de cette argile que je vais t'amener à rencontrer sera connue. Alors, elle ne sera pas connue dans le détail, mais elle sera connue de manière, en termes de réalité. Est-ce que vous voyez la différence? Elle sera connue en termes de réalité. Est-ce que vous voyez ça? Par là, c'est du molécule. Hein? Ouais, ça, on va y aller après. Très juste. Les deux, le père et le fils, ne sont pas. Alors. Voilà. De la même manière, donc, l'idée c'est quoi? C'est de dire, en connaissant, imaginons que notre monde soit un monde d'argile. Donc en connaissant un objet d'argile, en connaissant l'argile, je vais connaître les pots, les jars, les tasses, les assiettes, etc., les amphores, ces multiples objets qui en fait ne sont que quoi? En fin de compte, ne sont que de l'argile. Donc vous voyez de quelle manière donc Shweta Ketu commence à comprendre, oui, à travers cet exemple, commence à comprendre que c'est possible. On n'est pas en train de démontrer. Ce n'est pas une démonstration. Non. On est en train de dire, non, ce n'est pas aussi aberrant que ça a l'air d'être. Si tu connais la cause de tous les objets qui sont faits en argile, si tu connais cette argile, d'accord, tu vas connaître tous ces objets qui sont faits d'argile. En connaissant cela, tout est aussi bien connu. L'autre illustration, bien sûr, c'est l'illustration de l'or. Il y avait une histoire que notre prof nous racontait. Il disait, il avait un de ses étudiants qui était un bijoutier. Et le bijoutier voulait lui témoigner son respect ou sa reconnaissance. Et puis il dit à son étudiant, viens dans mon boutique. Ma bijouterie. Elle me dit, choisis une chose. Choisis ce que tu veux. Choisissez ce que vous voulez, soit ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est? Son outil étant avec Valentine, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va juste prendre le plus grand collier, etc., ou le plus grand bracelet? Qu'est-ce qu'il va dire? Je choisis l'or. D'accord. La seule chose qui compterait véritablement dans la vision de Swamiji, c'est quoi? C'est l'or. Il n'y a qu'une chose, une seule chose. Donc, vous voyez, on commence maintenant à glisser un peu vers le terrain d'établir la possibilité de quoi? De la non-dualité. Il y a une multiplicité apparente. Alors, quand vous rentrez dans une bijouterie, ou quand vous entrez chez un potier, il y a tellement d'objets qui sont faits, donc soit d'argile, soit d'or, avec des pendentifs, des machins. Je ne sais même pas tous les noms. Ces bijoux. Donc, mais en fait, il n'y a qu'une chose. D'un certain point de vue, il y a une certaine réalité à cette multiplicité, et on n'est pas en train de dénier cette réalité. Mais d'un autre point de vue, au niveau des réalités des choses, il n'y a qu'une seule chose. Et les deux sont vrais. On ne dit pas que l'ensemble de tous ces bijoux sont faux, ou sont une illusion, ou sont une apparence. On leur accorde
corps une certaine réalité qui est une réalité empirique. Il y a une certaine fonction, une certaine beauté, il y a un certain usage. Les peaux aussi, oui. La fonction qui correspond à la forme d'une tasse va être différente de la fonction et de la forme d'une amphore. Donc au niveau reconnaît l'existence d'un certain caractère empirique, c'est, on ne peut pas le dénier. Mais en dépit de cette apparence ou cette réalité empirique, on voit quelque chose d'autre. Est-ce que vous voyez où est-ce qu'on est là? Donc, deuxième exemple, le morceau d'or. Troisième exemple, la paire de ciseaux. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'il utilise trois exemples, le père de ce papier. Pourquoi, à votre avis, il utilise trois exemples? C'est trois matières différentes. Oui, très bien. Est-ce que tu as trois matières différentes? Ouais. Il n'en a donné que deux. Ouais. Alors, quoi d'autre? Il doit nous prendre en entrée à la compréhension. Ouais, ok. Excusez-moi. Parce que là, c'est là où je m'interroge, on n'a pas. Pour que l'argile devienne un peu, ouais, il faut de l'eau. Ouais. Pour le fer devenir un ciseau, il faut du feu. Ouais, exact. Mais aussi, c'est matière qui rentre. Exact. Oui. Donc, ensuite, on voit les limitations. Donc, ce que Freddy est en train de pointer, c'est très juste. À travers de tous ces exemples, ces analogies qu'on utilise, il faut être aussi conscient des limitations. Et en fait, même au niveau de l'argile et du coup, il y a déjà une limitation. Quelle est cette limitation? En fait, on utilise du feu pour fabriquer un pot à partir de l'argile. Comme pour l'or, on était obligé de... Donc on apporte une modification à l'argile pour en faire un autre objet. C'est surtout l'imagination, hein, la créativité qui fait. Ouais. Il faut la main de l'homme aussi. Il faut aussi la main de l'homme et il faut aussi tout le reste. D'accord ? Donc ça, c'est les limitations de l'exemple. Mais l'idée ici de ces trois exemples, malgré les limitations, c'est pour ça qu'on va à la fois dans le domaine des outils, donc qui nécessitent beaucoup d'expertise, comme l'or et ces ciseaux d'acier, des choses plus simples, des matériaux plus proches de la terre. Mais l'idée ici essentielle, c'est de dire que la cause pour devenir cet effet, cette forme, sans subir une réelle modification peut endosser de multiples formes. Est-ce que vous me suivez? Donc, oublions pour un moment les limitations de l'exemple qui sont qu'il est nécessaire de chauffer l'argile pour faire un pot, avec des jarres, des amphores, etc. Oublions cet aspect-là. Et oublions aussi qu'il faut aussi d'autres causes. Il faut aussi un potier, il faut aussi de l'eau, il faut aussi une roue, etc. Donc, enlevez toutes ces limitations-là. Mais regardez uniquement ce que l'Upanishad veut nous dire. Elle veut nous dire que l'argile sans réelle modification peut endosser plusieurs formes pour assumer différentes fonctions. Et en fait, toutes ces différentes formes et fonctions, ces peaux, amphores, jarres, tasses, etc., ce ne sont que des mots. Des mots pour désigner quelque chose qui, en fin de compte, n'est que de l'argile. Toute chose est faite d'une matière. Hein? Toute chose est faite d'une matière. Ici, dans l'exemple, on est dans le monde uniquement de l'argile. On va voir comment on va étendre tout ça à tout l'univers tout entier. Parce que vous comprenez bien que l'idée, c'est quoi? C'est dire, en comprenant cela, l'univers tout entier va être connu. L'univers tout entier n'est qu'un effet d'une cause unique. D'accord ? C'est là où on veut aller. Ok ? Est-ce que c'est clair, ça ? Non ? Alors. Exactement. Alors, oui. D'accord ? Vas-y. Alors. Maintenant, voyons un peu cette histoire de mots. Et ces noms. Oui ? Il y a une explication spécifique au fait que. Trois exemples, c'est... Oui, c'est que dans le pot, il y a beaucoup plus de causes accessoires qui sont utilisées, le pot et l'argile, que dans le cas du, je dirais, de l'or.
ça, c'est une des limitations. L'or, en fait, fondamentalement, l'or, même si tu l'amalgames, c'est toujours des amalgames des bijoux, mais oubliez ça. L'or, en fait, ne change pas. L'argile change en termes de dureté, en termes de résistance. Donc l'or ne change pas. C'est pour ça que l'or est tellement... Il est le symbole de tout ce qui est indestructible, symbole de richesse, etc. Symbole de l'immortalité. Donc l'or, sans réelle modification, on arrive beaucoup mieux à l'appréhender qu'à travers l'exemple du pot et de l'argile. C'est pour ça que... Le nombre 3. Non, là, je crois pas que ce soit quelque chose de tout. Ok. Le fer. Alors, le fer, parce qu'on rentre pas dans juste du fond du beau, mais on rentre dans l'utile. Alors maintenant, ça c'est intéressant. Alors, habituellement, quand on examine, on essaie de connaître des choses, notre orientation est quoi? C'est toujours en termes d'utilité. Okay? Donc il prend le point de départ qui est celui de notre orientation, qui est dire, bon, paire de ciseaux, c'est fait pour faire ça. Donc un certain niveau de connaissance va dire, bon, de quoi est fait cette paire de ciseaux? Bon, c'est des formes différentes qui sont agencées d'une telle manière qu'elles peuvent couper quelque chose, et elles me servent à couper et à faire, etc. etc. On a déjà l'utilité dans le pot d'argile. Oui, on a déjà. Mais là, on a une utilité beaucoup plus grande. Exact. Dans les deux, on a une utilité. Exact. Et une utilité qui est avec, on passe juste du pot et de l'argile, qui est un objet simple, à un objet beaucoup plus complexe. Donc c'est ça que l'exemple essaie de montrer. Donc, une vision limitée de ce que de la connaissance va dire, on va juste examiner à quoi ça peut m'être utile tout ça. Quelle est l'utilité? Et en fait, ça c'est le domaine de la réalité empirique. Le pot, les ciseaux, les bijoux, c'est la réalité empirique. Tout ça couvre tout ce qui est utile, en fait, je pourrais dire, et mitiable. Tout ce qui est utile. Et mitia dépend d'autre chose pour son existence. Okay. Donc on passe d'une orientation qui va être, bon, on réfléchit à l'utilité de choses et ça a sa place, à dire, bon, en termes de réalité maintenant, quelque chose de plus solide. Pas juste l'utilité d'une chose, mais en termes de réalité, qu'est-ce qui est plus réel? Est-ce que c'est l'argile ou l'eau? Est-ce que c'est le fer ou est-ce que c'est le ciseau? Est-ce que c'est l'or ou c'est les bijoux? Vous voyez, donc équilibrer ces deux orientations-là. On n'exclut pas le fait qu'il y a des choses qui sont utiles, il est bon de les connaître, et qu'il y a une réalité empirique, mais on ne s'arrête pas à ce niveau-là. Donc ici, on peut se poser la question, oui, mais quelle est l'utilité de s'intéresser à la réalité des choses? Après tout, je lisais il n'y a pas longtemps des choses sur la mécanique quantique, et l'aspect philosophique de la physique quantique. Les physiciens en général, ils disent, il y a deux écoles. Ils disent, soit la majorité dit, bon, il y a un jeu d'équations extraordinaire et ça marche, et c'est prédictif, et on arrive à savoir, à prédire le comportement avec une certaine probabilité de certaines particules, et certains atomes, etc., etc. Donc ça nous suffit pour nos mesures. Et on va pouvoir faire avec ça des lasers, on va pouvoir faire avec ça des transistors, on va pouvoir faire avec ça des GPS, etc., etc. Mais il y a d'autres physiciens quantiques qui se disent « Eh, mais cette vision qui est derrière ces mathématiques qui sont incroyables, qui décrivent la réalité du monde physique, quelle est la portée philosophique de ça ?» En termes de réalité, en fait, ils se disent « Mais ça bouscule totalement nos représentations courantes de la réalité. » Donc ici, on peut dire « Oui, septième et mitiable, d'accord, c'est bien, deux mots de plus dans notre vocabulaire, mais en quoi, moi, ça m'intéresse? La réalité des choses. Alors, en quoi ça vous intéresse? Par rapport à la question, améliorer le quotidien. Ouais. C'est ça qui est. C'est bien.
Exactement, mais là c'est l'utilité maximum. Alors pourquoi c'est marrant ce qu'elle dit. Parce que c'est marrant. Alors, c'est ce qui est le plus utile. Pourquoi? Parce qu'imaginez que je crois que je suis limité, et la réalité au sujet de moi-même, et c'est que je suis infini. Donc ça vaut le coup, non, de savoir un peu plus sur moi-même. D'accord? Parce que la perte, si je ne connais pas ma véritable nature, elle est de quel rang? Infini. En fait, on est tout le temps confronté à quelle est notre représentation de nous-mêmes, quelle est notre représentation du monde et de la réalité. Ça, c'est une manière plus psychologique de voir les choses, plus PNL. La réalité, la représentation qu'on se fait de la réalité, c'est ça qui détermine la manière dont on va s'engager dans la vie, dont on va décider, on va faire des choix, on va fuir, on va décider de mettre des efforts dans une entreprise. Et imaginez comment on se trompe sur la réalité de ce sur quoi on base nos décisions. Donc ça vaut le coup, d'accord, d'en savoir un peu plus sur la réalité des choses. Ok. Maintenant. Donc comme je le disais, maintenant, l'enseignement va nous montrer comment tous les objets, pas juste les objets faits d'argile, pas juste les objets faits d'or, pas juste les objets qui sont faits d'acier, mais l'ensemble des objets qui sont faits de tellement de causes matérielles différentes, à un premier niveau, que ce soit l'espace, que ce soit le temps, que ce soit les nuages, que ce soit les étoiles, que ce soit les planètes, que ce soit les galaxies, que ce soit ce parquet, que ce soit les bouteilles, que ce soit cette caméra, que ce soit ces lunettes, que ce soit nos émotions, que ce soit notre cerveau, etc., etc., etc. L'ensemble de l'univers est un effet ou une modification en apparence d'une seule cause. Exactement. D'accord? C'est ça. C'est ça maintenant que on va voir. Okay? Donc, comme on l'a vu, ces exemples ne prouvent rien. Ça montre juste la possibilité. Bon, c'est possible. Il y a quelque chose. Derrière, je peux écouter maintenant plus en avant ce que l'Upanishad a à me dire à ce sujet-là. Okay. Alors revenons maintenant à Shweta Ketu et à son père. Alors vous êtes Shweta Ketu, votre père vous dit « Hey, tu croyais qu'une connaissance de ce genre était impossible, était inimaginable ?» Voilà des exemples. Imaginez maintenant la situation de Shweta Ketu. Et qu'est-ce qu'il dit ? C'est intéressant parce que maintenant il se rend compte que effectivement il y a quelque chose qui m'a échappé. Il semble qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Et il dit, donc 6.1.7, Shweta Ketu, mes respectables enseignants n'avaient certainement pas la connaissance de cela. Sinon, pourquoi ne m'auraient-ils pas enseigné? Mes vénérables pères, enseigne-moi cette connaissance. Et donc le père dit, ok, ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Mon fils. Alors pourquoi est-ce que Shweta Ketu dit ça? Intéressant, non? Parce qu'il a envie de savoir. Hein? Parce qu'il a envie, il a envie de savoir. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est que Shweta Ketu est quelqu'un qui avait peut-être une certaine arrogance, etc. Mais c'est quelqu'un qui a aussi une estime de lui-même qui est extrêmement saine. Il sait quelle est sa qualité de pensée, quelle est sa brillance, etc. Et il dit, mais j'étais parmi les élèves les plus doués de cette classe. Et si cette connaissance telle que j'entrevois la possibilité qu'elle existe, si elle avait été disponible, mes enseignants m'auraient. À moi, bien sûr, ils m'auraient transmis. Donc ça veut dire que s'ils ne me l'ont pas enseigné, ils n'avaient pas cette connaissance. Il est très pratique. Il dit, hey, toi, tu as l'air d'en savoir un peu plus, dis-moi. Il dit, moi, quel est le septième de toute chose? De l'autre côté, on peut dire aussi que maintenant, je suis Shweta Ketu, le
le père de Shunyu Taketu accepte maintenant. Il dit, ok, à la demande de l'étudiant, de son fils qui est maintenant devenu un étudiant, il dit, ok, maintenant je suis d'accord. Puisque tu me l'as demandé, puisque je vois que tu poses les questions justes, puisque je vois que tu as cet intérêt qui n'est pas juste une curiosité, mais un intérêt qui est encore plus marqué que ça, que tu suis tout ce que je dis, et que tu as cette infrastructure, tu as cette capacité de compréhension, ok. Maintenant, je vais te transmettre ce que je sais. Ok ? Donc l'enseignement commence maintenant, et le prochain verset est le 6-2-1. Le 6-2-2. Donc on va lire. Cher fils, au commencement, ceci n'était que sat, l'être, un et sans second. À ce sujet, certains disent qu'au commencement, ceci n'était que non-être. De ce non-être serait né l'être. Il dit au cher fils, mais comment cela est-il possible? Comment l'être pourrait-il provenir du non-être? En vérité, cher fils, au commencement, il n'y avait que l'être, un et sans second. Alors, dans le commentaire de cet Upanishad, vous imaginez que les commentaires font des pages et des pages. D'accord? Alors, quand on étudie ces commentaires en sanskrit. On étudie et la manière dont c'est extraordinaire la manière dont l'enseignement se fait, c'est que on étudie donc c'est le verset de l'Upanishad lui-même et on voit Shankaracharya, les commentaires de Shankaracharya qui est un des plus grands philosophes que l'Inde ait produit, va présenter toutes les différentes objections, toutes les différentes interprétations possibles de ce verset-là. Et va dire, parce que bien sûr il a sa propre interprétation, ou bien la vision qu'il voit, qui est la vision de l'Upanishad, ce que l'Upanishad veut nous faire dire, ou veut nous faire voir, il a ça en tête. Et il réfute une à une par des arguments logiques, hein, les autres interprétations qui sont possibles. Donc c'est ça. Donc ce que je veux, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas le temps, mais la manière d'étudier ces textes-là, c'est ça. On n'est pas dans la croyance. Pas dans de la pensée positive ou dans la ok, oui, bon, c'est parce qu'il y a une tradition immémoriale et parce que c'est en sanskrit ou bien parce que ça vient des Upanishads, c'est juste non, on n'accepte rien, on examine tout de manière logique, la validité. Donc, bon, je vais vous donner quelques aperçus, quelques arguments pour ensemble pour que vous voyez, vous sentiez cet esprit qui anime les Upanishads, qui est derrière. Une question. Ouais. Ça, en fait, c'est comme dans un raisonnement, si on compare un raisonnement mathématique, ouais. C'est l'axiome de base. Oui, exact. C'est ça ? Exact. D'accord. Exact. Donc, ce qui est important, c'est quand même de bien accepter l'axiome de base. Mais l'axiome de base, on a établi la possibilité qu'il puisse exister. On n'a pas juste, c'était pas juste une croyance. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est de voir si c'est une réalité. Si tout ce qui est ici n'est qu'une chose, malgré la multiplicité de ses formes, n'est qu'une chose, je vais être capable de l'apprécier. D'accord ? C'est ce qu'on va faire maintenant. Ok ? D'une chose qui est
la différence. Ce monde-là, la multiplicité de la différence. C'est un fait qu'on a de la multiplicité et des choses différentes. Ok ? Alors, le Bouchard et les commentateurs ont certains mots pour essayer d'aller un peu plus loin dans la manière de qualifier les différents types de différences qu'on a. Donc il y a un type de différence qui va être vijatiya bheda. Donc bheda ça veut dire différence. Vijatiya bheda ça veut dire des différences entre différents ensembles ou différentes espèces. Par exemple, on va prendre. Alors, tout dépend de l'ensemble de base qu'on va prendre. Donc prenons par exemple l'ensemble ou l'espèce des manguiers. Ok ? Donc un manguier est différent d'un prunier. Okay ? L'espèce des manguiers dans son ensemble est différente de l'espèce des pruniers. Est différente de l'espèce des poiriers, de l'espèce des cocotiers, etc. etc. Donc on a un degré de différence, on a un niveau de différence qui va être au niveau de ces espèces. Maintenant, ce n'est pas la seule différence, parce que tous les manguiers ne sont pas identiques entre eux. Oui, oui. D'accord ? Donc on a un deuxième niveau de différence qui s'appelle Sajatiya Bheda. Ça veut dire une différence qui est intra-espèce. Donc une va être entre les espèces et l'autre va être au sein même d'une espèce. Le manguier qui donne des mangues si bas, manguier, moi je suis encore en Inde. Le poirier qui est dans le jardin de Annie ne donne peut-être pas des poires aussi bonnes que le poirier qui est dans le jardin de tu as des poiriers ou... Un poirier. Ouais. D'accord. Donc il y a des différences aussi entre les différents membres d'une espèce qui est la même. Maintenant, il y a une autre différence, un autre degré de différence, qui est quoi? Le manguier lui-même, un manguier lui-même, maintenant. Est-ce qu'il y a des différences dans le manguier? Ce qu'on appelle le manguier lui-même. Ben oui. Le manguier fait quoi? Il fait des branches, des fleurs, des feuilles, des fruits. Exactement. D'accord? Donc vous voyez que les différences aussi, il y a des différences dans un manguier particulier lui-même. Swagata Bheda. Swagata, Swagata Bheda. Bheda, c'est différent. Oubliez le sanskrit. Donc, il y a des différences aussi entre la fleur, la feuille, la branche, le fruit, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maintenant, si un autre aperçu de ces différences, de ce monde de la différence, on va utiliser des mots qui vont désigner certaines choses. Et pourquoi on utilise des mots différents? Puisqu'on se réfère à des aspects différents des choses. Donc tout notre langage sert à quoi? À catégoriser des choses qu'on perçoit et après pouvoir les utiliser. D'accord? Et les manipuler entre elles. Vous savez qu'il y a un premier, dans la pensée humaine, la pensée conceptuelle humaine, il y a un premier niveau qui va être de manipuler des chiffres et des ensembles. D'accord ? Imaginez les premiers êtres humains qui ont commencé à faire des groupements, à dire, par exemple, deux prunes, c'est égal à deux oiseaux. D'accord ? Quel extraordinaire saut quoi, dans la pensée d'arriver à faire ça. Et après, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'affranchissent des objets qui sont représentés par le nombre 2, et ils font maintenant des opérations mathématiques qui s'appliquent à tout. Et on a toute l'industrie du logiciel, l'industrie informatique, on a toute la physique, on a la possibilité d'envoyer des sondes spatiales à Mars, etc. D'accord ? Donc vous voyez comment donc le langage, alors maintenant, regardons le langage. Comment est-ce que je vais maintenant, dans cette réalité qui semble multiple, utiliser des mots différents ? Donc je vais utiliser quoi par exemple? Je vais dire, on utilise quoi? Des noms. Ok? On utilise des noms. Mais on utilise aussi quoi? Des
des adjectifs pour différencier une fleur blanche d'une fleur rouge. D'accord ? J'ai un adjectif qui a servi à différencier. Alors, comment est-ce que je vais, après, maintenant, différencier des choses entre elles ? Avec quoi ? On va coder le langage. Ok, bon, ça c'est bon. À part les noms et les adjectifs. Comment est-ce que je peux... La forme... Oui, ça c'est bien. Adjectif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le superlatif. Les ? Le superlatif, en plus le moins. Ouais, donc on va ordonner les adjectifs. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est les tonnes dans les verbes. Le passé, le présent, le futur. Ouais, ça c'est bien aussi. Ce qu'elle dit, c'est juste, ce qui est bien, c'est qu'on va définir les relations que ont les différents objets entre eux. D'accord ? Sambandha. Guna, Jati, Kriya, Sambandha. Et il y a aussi Kriya. Il y a aussi, quelquefois, on ne peut pas définir par un mot ou un adjectif, on va définir par un verbe d'action. Par exemple, cuisiner, par exemple. Le mot cuisinier, ça indique quelque chose de spécifique, mais qui est centré autour d'un verbe d'action. D'accord ? Le mot cuisinier lui-même, en fait, il dérive d'une racine qui est une racine centrée autour d'un verbe. Est-ce que vous voyez ça ? Donc vous voyez qu'on utilise pour parler de tous ces différents objets qu'il y a dans cette réalité, de mots. De mots différents, avec des approches différentes. Maintenant, l'idée est qu'est-ce que, ici, on va revenir à notre pot et on va dire, ok, on a dit que ça, c'était un pot, mais on a dit le pot est mitya, et on a dit quoi ? L'argile est satya. Et satya. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? La première chose qu'il a dit, c'est quoi ? Ou c'est toi qui l'as dit ? Oui, mais les molécules, etc. Donc ici, on s'était limité à quel exemple ? On s'était limité juste à cette relation de cause et effet entre argile et peau. Maintenant, on se rend compte que, est-ce que l'argile elle-même est réellement mitya ? Est-ce que c'est satya, pardon ? Est-ce qu'on s'arrête là ou pas ? Est-ce qu'on s'arrête à ce niveau ou pas ? Non ! Parce que l'argile elle-même est faite de quoi ? Des molécules. D'accord ? Différentes molécules, des silicates, etc. Donc ces molécules-là sont satyam et l'argile est mitya. Bon, est-ce qu'on s'arrête là ? Non. Donc vous allez aller le top. Vous allez où maintenant ? On va à l'infime un petit peu. D'accord. On va à la cellule. On va à la cellule. Non, ici c'est pas un être vivant. Donc on va à la particule. Particule. C'est ça que tu veux dire, je crois. À la particule. Et après, la particule elle-même, où est-ce qu'on va aller ? Les physiciens, quand on dit oui, mais les particules sont faites de quoi ? Électrons, protons. Hein ? Après, les électrons, protons eux-mêmes, ils sont faits de quoi ? Oui, oui, après, on peut toujours le voir. Donc il y a deux options là-dedans. Soit on continue la régression à l'infini, soit on dit, bon, ça doit s'arrêter quelque part, mais je ne sais pas. Alors, on va voir ça. Ces deux options, ayez-les en tête. Maintenant. Vous ne connaissez pas l'objet, je ne sais pas. Exact. Exact. L'objet. Alors maintenant, prenons par exemple cet arbre là qui est dehors. Alors vous voyez qu'on a, ici on avait un mot qui était le pot. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a vu un mot qui était pot. En examinant la réalité de tout ça, de ce pot, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est enrichi, on est allé jusqu'à quoi ? Argile, silicate, molécules, atomes, électrons, machin, etc. Et en ordonnançant le réel en relation de septième métier. Donc des mots, un mot m'a suscité un autre mot, un autre nom, qui lui-même après m'a suscité un autre nom. Un autre nom, un autre nom, un autre nom, un autre nom, un autre nom. Des noms à l'intérieur de noms, 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 à l'intérieur de noms. Prenez votre corps et prenez cet arbre. Qu'est-ce qu'on va dire ? Bon, ça c'est un corps. Un corps humain. Donc on va dire, bon, il est fait de quoi ce corps ?
tête, bras, on a tronc, feuillon simple. Donc là, pour un mot qui était corps, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé en plusieurs mots. Plusieurs mots. Pour différentes formes ou parties. Hein? Et c'est le même mot. Maintenant, je prends le bras. Le mot bras, maintenant, alors je te dis, qu'est-ce que c'est le bras? C'est quoi? C'est fait de quoi, le bras? Le bras, le poignet, le bras. Hein? Donc, bras, maintenant, je vais encore le diviser en plusieurs mots. Plusieurs mots. Pour plusieurs formes. Mais aucun d'eux n'est encore le satyre. Oui ou non? Donc je continue comme ça, jusqu'à où? Donc de la même manière ici, on va passer par la cellule dans ce cas-là, mais on va arriver cellule, noyau, ADN, molécules, etc. D'accord? Et pour dire, bon ben c'est ça. Le corps c'est ça. Est-ce que le corps c'est ça? Bah oui. Oui ou non? Ah oui, c'est des électrons. C'est comme ça, ok. Donc il y a quelque chose dont, au terme de cette succession de mots, noms ou de mots, de noms à l'intérieur de noms, à l'intérieur de noms, à l'intérieur de noms, à l'intérieur de noms, pour des formes qui sont différentes, à l'intérieur de formes, à l'intérieur de formes. Mais où est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'il y a un nom ou une forme ultime? Ben là, non, on la cherche, quoi. Ouais. Bah, quand même, on a à peu près tous, que ce soit les arbres, le pot d'argile ou les humains, on a tous fait d'électrons et de protons. D'accord, ok. Donc là, on peut dire la vision. C'est pas ce qu'il y a. Exactement. Voilà. Non, c'est là où c'est extraordinaire, parce que les développements de la physique moderne nous aident beaucoup. À essayer de comprendre ce qui se passe ici. Je ne dis pas que ça établit ou ça prouve quoi que ce soit, mais je dis que ça nous aide. Dans quel sens? L'univers physique, et je parle, je pèse mes mots, l'univers physique. D'accord? L'univers physique, on arrive à le décrire plus ou moins avec la science moderne, on est un assemblage de plusieurs, je dirais, particules fondamentales. Okay? Et tout est fait de ces particules fondamentales. On a soit on prend un tableau, le tableau des la table périodique des éléments. Tu as dû apprendre ça, hein? Encore. Encore? Oui, c'est en seconde. Ah, c'est en seconde, ok. Ou bien on va dans le modèle standard des particules avec tous ces gluons et ces leptons et ces, etc. Toutes ces familles de quoi. Mais un nombre limité de particules vont être constituées toute la multiplicité de tous les objets de l'univers. Il nous suffit maintenant juste de dire, c'est pas 4 ou 5, c'est, il n'y a qu'une seule chose. D'accord? Alors qu'est-ce que ça peut être cette chose-là? Et comment est-ce que je peux l'appréhender? Parce que maintenant, souvenez-vous, si je veux être en phase avec la pente, ce verset des Upanishads qui dit il y a une seule chose qui est non duel, c'est non deux, où il n'y a pas de différence. Ça veut dire que je dois chercher quelque chose, alors écoutez-moi bien, je dois chercher quelque chose qui n'est pas une espèce qui est différente d'une autre espèce. D'accord? Donc ce n'est pas une particule opposée à d'autres familles de particules, ou une sous-particule. Ok? Ce n'est pas une espèce. Et c'est même pas à l'intérieur de l'espèce qui serait cela, ce Brahman, il y aurait des différentes choses. Des différences, non? D'accord? Il n'y a pas ce type de différence. C'est un non-duel, souvenez-vous. Et il n'y a pas non plus des parties. Comme dans l'arbre, il y avait des branches, des feuilles, des fleurs, etc., des racines. Brahman n'est pas fait de parties. Et aussi, Brahman, on ne peut pas dire, par exemple, lui donner un nom. On ne va pas dire, le seul nom qu'on puisse lui donner, c'est illimité ou infini. Parce que donner un nom à une chose, c'est déjà la restreindre dans le temps et l'espace, et en termes aussi de ses propriétés et de ses qualités. Donc, ma difficulté maintenant, c'est que j'essaie de trouver cette cause unique ou cela dont provient toute chose.
je n'ai pas de mot ou d'adjectif où je ne peux pas le mettre en relation avec autre chose. À partir du moment où je dis que c'est quelque chose qui est en relation, ça devient à nouveau un des éléments de l'univers. Donc Mithya. Est-ce que vous voyez? Donc c'est où alors? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ben, moi je dirais que c'est un zoom arrière qu'il faut faire, et c'est le tout en fait. Hein? Il faut pas aller chercher le petit mais le grand. Ouais? Oui. C'est juste. D'accord? Alors, maintenant écoutez. Ah, écoutez. Il y a une chose qui est constante dans tout. Revenons à ici, à peau et argile. Maintenant, on a un pot en argile, on a une tasse en argile, on a une amphore en argile, on a une, comment, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une assiette. Une assiette en argile. D'accord. Qu'est-ce qui est commun dans ces trois-là, dans ces quatre différents objets? Argile. D'accord. Maintenant, on en prend de l'arbre ou ce corps humain ou même ce pot. On va prendre le corps humain. Le corps humain est le tronc, les arbres, les membres et sont. Le tronc et les jambes et sont. D'accord ? Maintenant, même si je vais des formes à l'intérieur des formes et non à l'intérieur de non, à l'intérieur de non, à l'intérieur de non, tout ce que je peux imaginer ou ce à quoi je peux donner des noms à, qui sont que des formes, c'est des formes de. Il y a une chose qui est constante, c'est quoi ? C'est et. Mais c'est un et. C'est un être qui n'est pas circonscrit dans le temps et dans l'espace. Notre orientation, quand on dit une chose est, c'est toujours une chose qu'elle est en termes de temps et d'espace. Elle est à ce moment-ci, à ce moment-là, et elle est limitée ici dans cet espace-là. Ouais. Et elle est un objet qui a certaines qualités. Quand on dit une chose existe, un d'accord. Objet est. D'accord. Hein? Maintenant, imagine le est qui est le fondement de tous ces objets qui sont. Okay. D'accord. Et sans lesquels, aucun objet, aucun être humain, aucun arbre, aucun nuage, rien ne pourrait exister. Et. Alors comment est-ce que maintenant, je vois la difficulté, d'accord, les Upanishads connaissent très bien cette difficulté. Il va dire, oui, mais c'est abstrait ce « et » là. Cet être dont tu parles, c'est un truc, c'est Heidegger. C'est compliqué. Moi je veux quelque chose, si c'est la réalité de moi-même, je dois pouvoir le voir de la même manière ici, mais bon sang, montrez-moi comment. Si de la même manière ici je vois l'argile qui est la réalité du pot, je dois être capable de voir ce et qui est la réalité de tout l'univers et de moi-même. Toute notre orientation va être en termes d'objet, d'objectiver quelque chose. Tout comme ici, c'est un objet qui est extérieur à nous. Donc ici maintenant, l'Upanishad dit et. Il n'y a que deux choses dans cet univers pour démarrer. Que deux choses. Il y a toi. Hein? Et il y a tout le reste. Tout le reste, on l'a vu. Que ce soit des nuages, que ce soit un corps humain, que ce soit des arbres, que ce soit des galaxies, je peux les réduire, quoi. Non, à l'intérieur de non, à l'intérieur de non, à l'intérieur de non, forme, à l'intérieur de forme, à l'intérieur de forme, à l'intérieur de forme, à l'intérieur de forme. Quand j'essaie d'avoir la quelque chose de tangible, de solide à quoi m'accrocher, je me rends compte, c'est que des noms. Il n'y a rien de tangible. Je crois parce que je peux manipuler ces objets dans un domaine d'utilité ou un domaine empirique, et parce que je leur ai donné des noms, je pense qu'ils sont très réels et très tangibles et absolus.
Mais en fait, ce ne sont que des noms pour des formes qui sont en mouvement constant. Pour une seule chose qui est, qui soit. C'est la seule chose qui soit. Alors, j'ai dit, il y a deux choses. Maintenant, si je reviens à moi, j'ai dit, il y a deux choses. Il y a toi et il y a tout le reste du monde. Tout le reste du monde est devenu matière. Maintenant, revenons à soi. Écoutez-moi bien. Donc, ce que je pensais être moi, ce que je pense être moi, quand je dis moi, quand je dis je, qu'est-ce que je dis? Mon corps. Mon corps, c'est quoi? C'est matière, c'est matière. Est-ce que le corps, je peux l'objectiver ou pas? Mais c'est faux. Non à la terre de l'eau, à la terre de nom, à la terre de forme. D'accord? Ça veut partir. Mais ça change tout le temps. Mais c'est lui, change tout le temps, ça ne peut pas être moi. D'accord? Donc les frontières de où je mettais la limite de jeu, elles sont repoussées, c'est pas mon corps. Ça aussi, ça fait partie de l'univers, c'est matière. Ça change tout le temps. C'est que des noms en changement permanent. Alors peut-être je suis mes émotions. Un être de désir, un être émotionnel. Ou un être de pensée. On est très fiers aussi de nos pensées. Pareil. Émotion, c'est quoi? Aussi des noms, l'intérieur de noms, pour des phénomènes qui se déroulent. On ne dit pas qu'ils ne se déroulent pas. Une alchimie complexe de cascades d'événements électrochimiques, paf, ça donne une émotion. Et ça arrive, et ça part. Si j'étais que défini par mon émotion, si j'étais que mon émotion, le moment où mon émotion de colère ou de surprise s'en va, je dois m'en aller aussi. Or, je suis là. Donc, je ne suis pas mon émotion. Ah, la pensée. Pareil. D'accord ? 100, 200 milliards, des milliards, des milliards de neurones en flux constant, les pensées. 60 000 pensées par jour. Vous êtes vos pensées ? On est si fiers de nos pensées. C'est fou, non ? Ah, mais je suis pas mes pensées. Mais qu'est-ce qui reste alors ? Qu'est-ce qui reste ? J'ai dit il y avait deux choses. Être. Hein ? Qu'est-ce qui reste ? Tout ce que je pensais était ici délimité, la frontière entre je et le monde, maintenant j'ai dissous cette frontière-là. Le corps, les pensées, les émotions. Alors, où suis-je ? Pourtant je suis là. Quand les pensées s'élèvent et disparaissent, je suis là. Les émotions s'élèvent et disparaissent, je suis là. Quand il n'y a même plus, même, on verra ça tout à l'heure, quand il n'y a même plus de jeu, en fait, je passe de l'état de veille à l'état de dormeur ou de rêveur, je suis encore là. Pourtant, le Angelo qui connaît si bien la Belgique et qui connaît, qui a un chef d'entreprise, etc., etc., où il est dans le sommet ? Il n'est plus là. Il n'est plus là. Mais pourtant, tu es là. Après, il réapparaît. Ça aussi, ça change tout le temps. Donc voilà, ce que ici, vous voyez ici, l'enseignement, qu'est-ce qu'il montre ? Il n'y a qu'une chose qui est invariable. Ce qu'on appelle invariable au niveau extérieur et qui est aussi la même chose qui est là, qui est je suis. Mais ce n'est pas un jeu qui est centré sur un corps. Je suis. Ou je suis conscient. C'est le mouvement, en fait. C'est le mouvement perpétuel. En fait, ce qui est invariable, exact, mais derrière tous les mouvements, il y a une chose qui est invariable derrière tous les mouvements et qui peut être appréciée ici même. Ici même. En fait, elle est présente partout. Elle est présente ici, dans l'espace et le temps devant moi, dans les nuages, dans les arbres, et aussi dans mon corps. Et c'est une chose qui ne change jamais. Mais qui à la fois supporte sans changement toutes ces différentes, après tout ce qu'on a vu, tout ce qui est mitya. Sadeva somya idam agri asi. Alors revenons maintenant à ce que dit l'Upanishad. L'Upanishad dit au début,
ce monde que tu vois, il n'y avait qu'une seule chose. Tu as l'impression qu'il y a un monde avec une telle multiplicité, une telle variété, une telle diversité. C'est vrai, elle est là. Tu regardes un peu plus au fond, il n'y a qu'une chose maintenant. C'est ce « et », ce « je suis ». Et au début, avant même que cet univers n'existe, il n'y avait qu'une chose. Et je suis. Hein? Alors après, la question, c'est qu'est-ce que c'est que ce « et » ? Parce qu'il y a certaines... On va revenir à cette question-là. Je finis juste ça. Pour vous illustrer ça. Avant que le pot soit là, qu'est-ce qu'il y avait ? D'accord ? Pendant que le pot est, qu'est-ce qu'il y a ? Quand le pot va, je dirais si je le fais tomber, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous voyez ça ? Donc il y a une chose qui est invariable, qui est ce qui est immédiat ici dans le cas de ce pot élargi. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est satyam et qui ne change jamais. Et sans modification apparente, soutient, parce que si j'enlève l'argile, soutient cette multiplicité de tout ce qui est de cet univers qui est dans moi. Donc ce même satyam qui est là, donc ce que dit le père de Shvetaketu, il dit, cher fils, au commencement, tout ceci, tout ce qui est ici, tout ceci, ça veut dire tout ce que tu peux objectiver. Inclus donc quoi ? Le corps, la pensée, les émotions, tout ceci n'était qu'une chose. Sat, l'être. Un et sans souvenir. Implicitement, on va dire, au début c'était ça, et maintenant aussi c'est ça, on l'a vu. Il n'y a qu'une chose ici. D'un certain point de vue, il n'y a qu'une chose. D'un autre point de vue, il y a une multiplicité. En quantité multiple. Hein ? D'accord ? Alors après, il dit, à ce sujet, certains disent qu'au commencement, ceci n'était que non-être. Et de ce non-être serait né l'être. Alors, normal, c'est la première fois que, ou la deuxième fois que vous entendez ça, ça paraît complètement fou. Hein ? Donc, quand on fait cette... ça s'appelle Drik Deshya Viveka. La discrimination du... voyant et du vu. La discrimination, la différence qu'il y a entre sujet et objet. Ce que je peux objectiver n'est pas moi, qui suis le sujet. C'est ce qu'on a fait avec les pensées, les émotions et le corps. D'accord ? Donc c'est une méthodologie, et on arrive à un moment où on se dit, tout ce à quoi j'imputais moi, mon individualité, qui sont mes souvenirs, ma mémoire, mes pensées, mon savoir, mes compétences, d'accord, mes yeux bleus, mon poids, mes caractères, mes traits de personnalité, etc., etc. Tout ça, c'est quoi ? Je fais partie de l'objet. Mais tiens, on fout le temps. Donc, quand on fait cette analyse, il peut arriver qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'il y a finalement ? Mais il n'y a rien, d'accord ? Il n'y a plus rien, puisqu'on est sorti maintenant de tout ce qui est objectivable. Certaines personnes vont dire, non, mais il n'y a rien. Donc, non-être. De la même manière, au début de l'univers, il n'y avait rien. Et du rien, du non-être, est venu tout l'être. Alors, soit à quoi, logiquement ? Est-ce que vous pouvez voir logiquement comment est-ce qu'on peut réfuter ça ? Logiquement. Donnez-moi un argument logique pour réfuter cette vision des choses. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, si ça n'existe pas, comment quelque chose peut venir de quelque chose qui n'existe pas ? Personne ne peut me donner un exemple, logiquement. Si vous parvenez à me donner un exemple de quelque chose qui provient de quelque chose qui n'existe pas, tu te marres. Ok, ce serait le bon exemple, logique, pur et simple. Donc il faut quelque chose pour pouvoir quoi ? Il y a des choses qui n'existent pas.
qui serait la cause de cet univers tout entier. Pour créer des choses qui n'existent pas. Qui n'existent pas de manière absolue. Oui. Elles existent. Hein. Ouais, les licornes, bien sûr, ça existe, mais elles sont des créations. Ouais, ouais. Oui, exact. Là, on est dans la subjectivité. Exact. Alors, certains disent qu'au commencement, ceci, tout l'univers, il n'y avait rien. Impossible. Qu'est-ce que vous entendez par rien? Vous savez qu'il y avait une expérience qui est très célèbre, qui est faite par des physiciens et qui disent, ils pensaient qu'en fait l'espace était vide. Ce que vous faites, c'est que là, c'est uniquement une illustration au niveau physique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont dit, l'espace, il n'y a rien. Et, alors, si on pompait toutes les molécules de gaz, etc., qu'il y a dans l'espace, donc l'espace serait vide. Donc, ils ont fait le vide dans l'espace et ils ont enlevé tout ce qui pouvait être atomique ou moléculaire, etc. Dedans. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Est-ce que ce vide était neutre ou est-ce qu'il était dénué d'activité? Est-ce qu'il était vraiment rien ou est-ce qu'il était vraiment un vide? En fait, il était bouillonnant d'activité. Bouillonnant d'activité. Donc, si vous dites, oui, le non-être, non, c'est vous avez mal compris, je ne suis pour rien. Ce que je veux dire, non-être, c'est un vide, mais qui est plein, qui est prégnant, qui va donner les choses. Alors, je dis, ok, je suis d'accord en silence. Hein? On est sous forme d'un, quelque chose qui est du l'ordre de la non-différenciation, ou qui est potentiel, qui devient manifesté. Non, là je suis bien. Mais ne dites pas il y a le néant. Parce que c'est une aberration logique. Oui. Alors, donc, c'est, là, c'est ce que le père dit à son fils. Oh cher fils, comment cela est-il possible? Comment l'être pourrait-il provenir du non-être? En vérité, au commencement, il n'y avait que l'être, un et sans souvenir. Et en vérité, ici même, il n'y a qu'une chose qui est. Et cela, tu es. C'est cette manière que l'Upanishad maintenant va se dérouler. C'est pas juste, oui, il y a un être au commencement des temps. Non, souvenez-vous, je souhaite mettre fin à mon sentiment de quoi? D'insuffisance, d'incomplétude, ou de non-acceptation, ou de recherche, ou de ah, il y a quelque chose qui me manque. Et la seule chose qui puisse combler ça, c'est de me voir comme étant quoi? Tout. La plénitude. Tout. Ok. Assez pour aujourd'hui. Ce matin.